Qu'est-ce que ça te fait de voir Réhassan, ta star comme ça, ah, c'est étonnant. Bouger à un autre pays comme ouais, ça? C'est étonnant. En France, on appelle ça trick de ouf, on dit. Comment on appelle ça, comment? Trick de ouf. Trick de ouf, grave, quoi. Ouais, quand j'ai dit, ouais, grave, j'adore croire. Quoi. Non, tu as mis des... Non, mais c'est la vérité. Alors, adapté. Mm. Bon. Yo, Gourvalim. Bon, on les a à vie à moi parce que... Bah, mon aura na Zénith, je crois, et bah, qu'ils aient une période vraiment difficile. Bah, campagne, ma bah, politique, au caca, bah, la bête à tes mains, 6500. Et puis, je sais que c'est au plaisir, ils aient première fois, il y a mon aura son, na scène, Zénith, bah, Zénith, ou un abisso, bah, Yankee, bah, Cappuccino, ils ont habitude. On a voulu se rappeler à l'époque, en 98, les Français, bah, l'Obac, na esplanade, il y a parlé du peuple. Mais venez les aller à Kansou. Il y a des non star gars malamouillés, bouillés. Puis bah on est là à une occasion où c'est pas donné à tout le monde. Fais un bateau à ébi public, à ébi coactivé public. Voilà. Nous voilà son les arakinité. Donc star ils ont été quand même beaucoup. Il faut prouver à bateau tout. Tout le monde a marambo, n'a pas aphrodisiaque, n'a pas Yannick Noah. Tout le monde a n'a pas sphinx. Bah partout, à Kinara, bah Burkina Faso contre bah Magic System. Face à face, finalement, normal, Kagre Magic System, na Burkina Faso en plus. Na stade où tu gagnes à Burkina Faso 4-1. La Coupe d'Afrique, la saison c'est raté. Mais oui, tout le monde a ma compétition. Ils ont dit Kamoué, la Togo en plus. Pour la Tanzanie, c'était la même chose. Ils ont dit ma compétition. Ils ont dit groupe tous les Zalaki, les collègues dans le Super BCBG, les Zalaki, Nani, extra musique, Oga Oga, et puis en tout cas, on a remercié Blaise Elenga et puis les grands sénateurs. Traumatiseur, Blaise Elenga. Les grands sénateurs, Bangotou, la famille, il y a le président Toundé, Bina, invitation Yaki. Je crois la première chine, dans un texte tout à l'heure, Bana ya Oyo. Comme les bisous avec nous, ils savent où ils sont, mais les bisous, t'es où ils sont, t'es bien, on est Bana Oyo. Faut voir ça, organisateur, Maramoutoune, l'élection est qu'elle est, t'es tout à Oyo, pour vous, c'est là. Et comment ils ont raté que non, il ne s'est pas donné à tout le monde. On est par exemple, dans le Bani, les lots rose en star, les lots les lots azo produit ou rason. Star m'a souvent joué et pénagé non, convaincre le public que ça la publicité est locale. À quoi le Bana est pébouba, et les gens ont dit non, mais ou rason en a 100 ou pénagé non, et convaincre le public. Et le William a raté, il y a mis. Il y a des gens qui et des amis. Tout vivre, ma ramoui, ma papa, boudin, ma ramoui, surtout côté ma boki. Je crois, il place tous bas, place ton sort dans le Zagna et l'autre niveau à Zali. C'est vrai, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et on va dans Oyo, pour la Kimia, pour la Rakoto, on a un Sobabengi, contre Pepe Dokine. Et puis, on a un CT. On a un peu de temps, on a un peu de temps, on a Londres, partout par là. Je crois, il faut que tu aies un Zénith. On va vivre avec l'événement, on a un peu de temps, on a 10 ans. On a un peu de temps, on a vivre les Kamouna qui nous battent, intercalé Bissou. Oui, il ne faut pas jouer, il faut arrêter de donner des visas aux musiciens, on en a assez. Donc, bah, tu vas intercaler parce que Goma est dans la guerre. Pourquoi vous venez jouer ici au pays à la guerre? Mais, tu as la mboka moussous. La démocratie, ils ont été bitumba. Ils ont été que agression. Par exemple, il y a Congo Brazzaville, place tu as été opposant à Bazalagi. Il y a le président Denis Sassou Nguesso. Mais bah, tu es libéré. Tu es un peu plus libéré. Tu es un peu plus libéré pour opposant Bazali. Culture, on a fait qu'on tape dans le monde. Mais on a eu la son hasard, à la star d'Afrique. Les pays qui ont avancé sur la Tunisie, au Gabon, on a eu la son, on a la propagande, les locaux qui ont été en train. Mais pourquoi pour le monde? Je crois que les lots réalités. Voilà, alors Cappuccino, quand même, va compléter. La bande de Gonzalo, on a eu par exemple la Libanda. Kevin posa suivi partout. Pas on a en culture ba congolais en ngam de bazali. Tout le na makambo élection ya ba congolais en ngam pays na bisoté. Ba ndimi biso ndengwa. Et ce que ça prend en mboka na biso pourquoi biso na biso za ba par agression au fil ko intercaler za musala ya artiste. Et puis la star ba ngba ebi. To na itango élection na France quand Doc Jonico est allé jouer pour le compte du président Sarkozy et a aussi Johnny Hallyday. Moi je vis, je suis à la télé. On a donné à Dionico, moi j'ai perdu un mot à 700 000 euros à l'époque pour venir soutenir le président Sarkozy. Mais Bata Ségolène, ça a un problème. Et puis Bissot Angulozaki, c'est Kapuchina Ebi, PS, Parti Socialiste, il faut contacter Bissot Maison-Mère. Meeting, il y a Ségolène qui est à Stade Charlotte.
Faki, mes hommes et nos bêtes pour la communauté africaine. Mais malheureusement, tu as la même date, Faki, tu as une production à Lyon. Tu as déjà un contrat dans le producteur, moi et tout, Kassam, vous avez acquitté. D'accord. Nous avons l'habitude. Ok. Vous allez avoir démocrate. Ça, c'est vrai. Libre, libre expression. Un joli conseil. Alors, Cappuccino, quand même, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à cet événement qui était dans la ville et puis le show qui se prépare dans la Kata Techno Maliwa en ce qui te concerne personnellement? Ouais, concernant notre show où il y a Brazzaville, franchement, on va retenir encore une fois pour féliciter le président Nana Ouerasson. Et surtout que mon temps au Kenya, Brazzaville, tous les amis sont morts. C'est-à-dire tous les amis orchestre est belé. Mais il y a plutôt bête à Batoa Souka. Pourquoi? Parce que il y a déjà que entroupement à Souguéa qui parce que Ouerasson, leader d'opinion, dans les leaders des leaders à Zaguana. Donc il y a un monde au Boujaki. Négato mais ça non c'est pas ça Braza et on a déjà bah il est comme c'est là Kevin na Braza au bique titre chant dans la population na baie bien déjà ah bon bah ils sont rendus ni mot tout cas et il m'a commandé si bon calaté broyo quand donc et démontrer combien de fois le roi de la forêt il a plus rien à démontrer quoi hein est-ce qu'elle gagne ma world donc game aussi ma solo pour vous vendre la nation à MTV très mais ils allaient rare comme dans l'artiste et sous européen. Ok, alors on va d'abord suivre maintenant Patrick Tella cet élément la préparation avec Doug pour voir ça c'est déjà dit ça c'est le techno c'est Maliwa non ça, c'est pas ça c'est pas techno Maliwa ça c'est oh voilà on a tout à l'heure. C'est le truc des best of. Tu peux te l'expliquer seul le best of ces images qu'on a suivies tout à l'heure. Tes images avec Ouerasson, qu'est-ce que tu prépares avec Ouerasson? Non, j'ai tout simplement fait un album qui sort du créneau habituel de Maison Mère et Ouerasson. Oui. J'ai voulu faire quelque chose avec beaucoup plus d'ouverture, où il y a un mélange de français, d'anglais et de lingala. Oui. Ça permet à ceux qui aiment beaucoup la musique africaine en général et en particulier la musique congolaise, parce que pour moi je considère que c'est la meilleure musique qui se fasse en Afrique. Exact. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui aiment beaucoup cette musique-là, mais qui ne la comprennent pas forcément parce que c'est pas tout le monde qui parle lingala. Donc j'ai profité pour cette occasion pour faire découvrir une autre musique, de jouer sur la popularité de Ouerasson et l'image qu'il donne à l'extérieur. Et ici, il a le titre d'ambassadeur de la paix. Je pense que j'ai bien fait de cibler Ouera de par goût musical et de goût par rapport à ses ambitions et l'ouverture qu'il a envers l'extérieur. Je pense que c'est le joueur, l'artiste que je vois pardon, le plus. C'est la même chose. Donc, ouais. C'est un musicien, c'est un chanteur, donc c'est un joueur. Ouais. Si, si. C'est pareil. Donc j'ai joué sur Ouera par rapport à ça pour attirer les autres vers notre musique et pour qu'ils puissent la connaître et mieux la découvrir en fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait ça, donc j'ai fait un mélange de genres, du Ouerasson, on va retrouver du Ouerasson, hein, je ne me suis pas trop écarté. Hein. Oui. C'est du Ouerasson accompagné de ses musiciens, oui. Avec certains featuring en France, dont Pete Bacardi, Mike Inpeto R&B, un jeune rappeur et puis une jeune chanteuse qui a pratiquement la même voix que Céline Dion, qui l'accompagne sur un super morceau qui s'appelle Fleur d'Afrique. Ah bon? Je pense que c'est la surprise du chef, c'est personne n'attend Ouera sur ce répertoire-là. Ah, ok, on va voir si vous êtes préparatifs de cet album-là, qui va sortir de l'ordinaire, mais qui va sortir comme avec Maliwa, ça va pas faire du vrai Maliwa maintenant, là, parce que... Non, on n'est pas du tout sur le même créneau, même si c'est ça va sortir en même temps l'autre je album, pas, ça va Non, je ne vais, de... vais pas sortir en même temps, parce que déjà, vous avez une manière de fonctionner, je dis vous. Votre créneau à vous, vous avez l'habitude de sortir, comme a dit Yonki. Un album avec 5-6 clips à l'intérieur qui sort d'un coup... Ils font sortir sa vie 4-5 mois, après alors ils passent en studio. Moi c'est alors. Complètement autre chose, c'est pas de l'étranger, c'est de la musique, c'est international, il n'y a pas de frontières. D'accord. Donc c'est carrément une autre stratégie que j'ai voulu apporter à Maison Mère et puis à Ouerasson lui-même. Ah, c'est une stratégie quoi. Voilà, donc je fonctionne plutôt dans un système où on prend notre temps pour travailler, j'apporte toute une autre structure pour accompagner cet album. Je vais m'équiper d'un tourneur qui va s'occuper de l'album World. Ouais. Je vais prendre des gens qui vont s'occuper de la promo radio, télé, web et presse écrite. Exactement. Donc je suis obligé de structurer ça comme ça. Si je veux que ceux de là-bas comprennent, nous ce qu'on fait d'habitude, je considère ça comme ghetto. Donc on n'a pas ici, du tout... À Kinshasa, déjà je sais que la promo c'est déjà de mon côté. Voilà, t'es déjà le premier. Ah, oui. Ah, oui. Premier, donc c'est une exclusivité parce que c'est la...
C'est la première télé que je fais à Kinshasa, oui. Depuis peut-être 25 ans. Ah bon? Voilà, c'est la première télé, première fois que je passe à la télé. Vraiment. Donc c'est chez toi. Voilà. Merci de m'avoir invité. Non, c'est vraiment une grâce réciproque parce que voilà. Donc, c'est normal quoi. On va lancer le premier opus, le premier single qui va s'appeler Tu m'avais dit. Voilà. Voilà, avec un clip qui l'accompagne. C'est ça qui va servir de buzz. Et après, le deuxième single qui va sortir s'appellera... je me rappelle plus trop. Casanchino peut-être. Sampoto peut-être. Non. Le deuxième c'est lequel? Bon d'accord, le temps que ça arrive. Voilà, le temps que ça arrive. Le temps que ça arrive, on va suivre ces images pour le plaisir de ma fille, voilà. De Ricky que j'aime beaucoup, et de sa mère. Hein, et de sa mère chérie.